Yo les gars, dans cette petite vidéo, je vais tout vous présenter les événements que j'ai choisis dans les coupons du jour d'aujourd'hui. Donc ici nous avons chiffre dans le score. Lorsque vous cliquez sur l'événement ici, vous allez descendre ici et vous allez voir cette option-ci qui s'affiche chiffre dans le score. Vous cliquez dessus et vous allez sélectionner 1. Donc parce que ici j'ai dit chiffre dans le score 1, j'ai dit non. Donc ici nous avons premier remplacement, deuxième mi-temps, non. Vous allez cliquer juste là. Ici et vous allez dérouler, donc vous allez tourner le menu, donc vous allez avancer vers un côté. Ici vous allez cliquer sur remplacement, ensuite vous allez cliquer sur deuxième mi-temps. Voilà, vous cliquez sur deuxième mi-temps ici. Donc voilà comment j'ai fait le premier coupon, comme vous pouvez le constater, chiffre dans le score ici. Donc le deuxième coupon ici, vous voyez que là j'ai pris double chance de carton jaune. Donc c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'événement. Une fois que vous cliquez sur l'événement, vous vous rendez sur les cartons jaunes. Une fois sur les cartons jaunes, vous allez cliquer sur double chance ici. Vous voyez, donc vous cliquez là au milieu sur la double chance qui se trouve tout juste là au milieu. Voilà, donc là c'est la double chance des cartons jaunes. Donc lorsque je redescends ici plus bas, vous allez voir but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'événement, vous descendez tout au fond. Donc vous recherchez juste le but de la tête. Voyez un peu. Vous allez rechercher le but de la tête. Une fois que vous avez trouvé le but de la tête, vous allez voir plus bas but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Vous allez juste cliquer sur non, qui se trouve tout juste là. Donc plus bas ici, nous avons les doubles champs. Donc vous pouvez prendre tous les événements, tous les champs, vous cliquez juste sur l'événement ici, vous cliquez sur la double chance, c'est à dire n'importe qui gagne, cliquez juste sur la double chance. Et enfin ici sur le dernier coupon, nous avons but dans le temps additionnel non. Ce que vous allez faire, c'est quoi, vous allez cliquer sur l'événement ici, vous allez descendre, descendez tout juste vers le bas ici. Donc, ne descendez pas trop vers le bas, vous allez vous arrêter ici dans but pendant le temps additionnel. Vous cliquez dessus et vous allez prendre but dans le temps additionnel non. Donc vous allez prendre deuxième mi-temps ici. Donc vous prenez deuxième mi-temps ici qui est non. Cliquez dessus. Et comme vous pouvez le regarder ici, il y a deuxième mi-temps non. Ici nous avons but dans le temps additionnel, dans au moins une des mi-temps. Donc ici j'ai dû prendre les deux mi-temps. Donc ici nous avons expulsion non, c'est-à-dire pas de carton rouge. Donc je vais descendre plus bas. Donc vous descendez tout au fond. Tout au fond. Voilà, une fois que vous arrivez tout au fond, vous allez voir expulsion. Vous cliquez juste sur le nom. Donc voilà comment faire pour prouver les différentes options que j'ai pu jouer aujourd'hui.